Salut. Test. Ah, j'ai pas le retour son de ma voix. Alors je regarde vite fait, vu que c'est mon premier live sous cette avec Ristim tout seul sans l'aide d'Adrien. Si oui ou non, je suis en direct sur Facebook. Ou ah ouais, il y a des gens qui ont déjà mis un j'aime. Salut. Alors en fait, on voit pas les commentaires du chat ici. Pourtant, je vois y a le nombre de personnes connectées. Ah, mince le son. Salut tout le monde. Bon, on va utiliser le téléphone comme moniteur de chat plutôt que le truc que j'ai mis sur le bureau. Alors on va d'abord se choisir un son, hein. Donc juste avant de bricoler, on va se prendre un petit son sympa. Donc j'ai fait cette scène-là. Oh, vous en pensez quoi? Ouais, dites-moi dans les commentaires. Donc c'est bon, on m'entend. Pierre, ouais, merci Pierre. Salut Georges, salut Gauthier. Donc là, on va choisir un petit son pour bosser. En ce moment, j'écoute beaucoup le nouvel album de Panda Dub. On verra si je suis bloqué en live. Ce qui paraît, le son peut être bloqué. Donc je vais lancer le son et baisser le son. Ouais, il monte là. Voilà, on va le. Quand je parle, normalement, ça le coupe. Allez, je vais voir le son que ça fait dans le live. Désolé, hein, c'est expérimental. Alors. Miroir pour avoir le logo. Ouais, je sais derrière, le logo est pas dans le bon sens, mais je préfère ça. Parce que quand je parle à l'écran, quand je fais un mouvement vers la droite. Attends une seconde. Ouais, on l'entend pas assez fort. Bon, je vais monter un peu. On va le monter un peu jusque-là. Ok, là-dessus aussi je vais le baisser. Sinon, je m'entendrai pas parler. Bon, allez, on avance hein, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Je suis un peu perdu, j'avoue. Scène macro. Alors, donc ça, c'est scène où vous avez en grand. Ce qu'il faut voir d'intéressant, c'est-à-dire le Sony, etc., qui zoome en fait sur ce que je vais faire avec mes mains. Après, on a la scène webcam, donc face cam. Et voilà, là, on a le chat qui est censé, juste là, fonctionner avec YouTube et Facebook en même temps. Sauf que, bon, c'est pas moi qui l'ai réglé, donc je pense qu'Adrien, il pourra me donner un coup de main derrière. En tout cas, j'ai. Salut Thomas, Tom's. Ah, vous êtes nombreux là. Je vais mettre ta scène en miroir pour la voir logo là dans le bon sens. Ouais, on va le redresser ça plus tard. Bon, le programme aujourd'hui. Alors, je baisse encore le son de la musique. Voilà. Le programme aujourd'hui, ça sera de bosser sur la Hero 6. Parce qu'en fait, vous avez vu depuis quelques temps sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous sur Instagram si vous suivez. Alors ça, donc on va changer de scène. J'ai un 85X qui est démonté, c'est-à-dire que j'ai enlevé la partie du haut, j'ai gardé que la caméra FPV d'origine. Je suis en crossfire dessus et j'ai commencé vite fait à redessiner. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de dessin 3D, ça doit faire bientôt 3 ans. Enfin, si, j'avais repris il y a 1 an et demi, mais chaque fois je perds et je réinstalle mon SolidWorks. Cette fois-ci, c'est reparti. Merci Dom d'ailleurs. Et donc j'ai démonté une GoPro 7 pour avoir l'hyper smooth et j'ai beaucoup travaillé avec, surtout avec le skirt en version non démontée. Donc maintenant je vais pouvoir faire la même chose avec une GoPro démontée qui fait qu'elle passe de 110 grammes, 114 grammes à 29 grammes. Et le but aujourd'hui c'est pas de démonter une GoPro 7, ça va être de démonter une GoPro 6. Pourquoi? En fait, dites-moi dans les commentaires hein, si à un moment ça tombe en panne de pile. Faudra me le dire. Voilà. Hop. Ah, il y a du monde, hein. Allez. Donc, c'est une GoPro 6 à démonter. Pourquoi la GoPro 6? Parce que la GoPro 6, visiblement, Real Steady la préfère à la GoPro 7. Parce que si j'ai bien compris ce que disait Nurk, ce que disait Gabe,
Ce que dit aussi le site. Alors j'essaie de trouver ma GoPro 6. Il me semble qu'elle est là. Hein. Et donc la GoPro 6, en fait, elle a les données du gyroscope qui sont plus propres que la GoPro 7. C'est une histoire de réglage, visiblement. Me dis pas que c'est la GoPro 6 que j'ai. Oh, j'y crois pas. En fait, j'ai mis une GoPro 5 sur une machine pour voler. Ah, elle est là, RO6. Ah, c'est ça. Hop là. Et donc, en fait, je disais, la GoPro 6, elle a des données gyroscope beaucoup plus propres que la GoPro 7. C'est une histoire de firmware, parce qu'apparemment, s'ils voulaient, ils pourraient avoir le même résultat en GoPro 6 qu'en GoPro 7. Et le truc, c'est que par GoPro, pardon, ils se sont pas embêtés. Ils ont fait un hardware identique entre la 6 et la 7, mais ils n'ont pas fait le même firmware au niveau de la. Au niveau ben, interne, quoi, le firmware interne. Ça, une GoPro 6, vous savez, vous la flashez en GoPro 7, ça pourrait être la même chose, sauf qu'ils ne le permettent pas, vu qu'ils veulent vendre des 6. J'utilise OBS, Aurélien. Et donc, le but, c'est que cette caméra, elle soit aussi légère que celle-ci. Puisque le hardware, c'est-à-dire le matériel, à quelques bouts de plastique près au niveau de la trappe, c'est le même. Et on passerait de 100. 15 grammes dans mes souvenirs à 29 grammes en ayant de la protection parce que, quand même, j'ai mis un peu de protection. J'ai mis une grosse mousse, de la gaine thermo, et je vais un peu vous montrer comment faire. Vous allez voir, ça va être délicat. Je fais un massacre. Alors, on y va. Est-ce que tout va bien au niveau du son? Salut Pierre, est-ce que tout va bien au niveau du son, de la vidéo, du débit? Vous êtes à la fois normalement sur Facebook et YouTube. Donc s'il y a des gens sur YouTube, bienvenue à vous. Désolé, YouTube, j'ai un peu laissé tomber depuis quelques temps. Mais voilà, on reprend. Alors, première étape. C'est marrant, ça fait qu'un mois que j'ai démonté, j'ai déjà tout oublié. J'ai l'expérience du démontage de la GoPro 7. Et normalement, c'est identique. Alors, première chose, ça va être de virer la trappe du connecteur. Ça, c'est facile. Hein, c'est une sorte de tige en acier ronde qui se clipse. Et ça, quand tu t'as pas compris en fait que ce truc-là, il peut pivoter, t'es comme un con à essayer de trouver pourquoi ça veut pas rentrer. En fait, il faut d'abord pousser et ensuite clipper. Et on va vérifier si on peut bien la remettre. Eh ben, ouais, c'est encore une aventure, hein. Merdique. J'avais galéré la dernière fois. Ah ben, je l'ai pété en fait. Ah ouais, sympa. Voilà, en direct. J'ai à peine forcé, j'ai même pas senti que je l'ai cassé. Bon, de toute façon, on va plus l'utiliser ce truc-là. Alors, la suite, ça va être de démonter. Ah putain, il me saoule ce téléphone. Excusez-moi, je suis un peu mal à l'aise pour ce premier live. Allez, on va sortir du chat. Désolé, je regarderai les commentaires de temps en temps. Vous avez sûrement des commentaires sur YouTube, je les vois pas. Normalement, ça devrait être affiché sur Restream, et je l'ai pas. Donc tant pis, on va se concentrer sur le contenu plutôt que la forme. Et c'est parti. Je vais m'occuper d'abord en fait de passer le cutter sous le sorte de plastique siliconé. En fait, il faut bien chauffer, mais avant, j'essaie de voir s'il y a un côté faible qui se décolle un peu avant. Sinon, vous allez voir, je vais chauffer avec un outil. C'est la partie la plus dure du démontage de la GoPro, ça va être celle-ci. De démonter la façade. Voilà, c'est ce côté-là qui est faible. Allez. Donc là, j'utilise un truc qui sert habituellement à comment on appelle ça? À faire de l'art créatif avec des sortes de résine vinyle pour faire sécher. Par exemple, il y en a, ils font des sortes de vitraux. Vous trouvez ça dans les magasins d'art créatif. La dernière fois que j'ai essayé sur la GoPro 7. Je sais pas comment Yann Kibongi, qui était un des premiers à nous inspirer sur le démontage des GoPro, a réussi à faire pour que ça soit propre. Mais moi, j'ai chauffé, j'avais peur de cramer l'électronique. Et j'ai pas réussi à l'enlever proprement, ça a été un massacre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle ça massacre aujourd'hui. Il y a une chance que je le massacre. Donc ouais, je disais, je démonte une GoPro 6 pour pouvoir récupérer la possibilité de faire du Real Steady plutôt que utiliser seulement l'Hyper Smooth de la GoPro 7. Parce que Real Steady donne un effet différent, il rattrape aussi l'horizon.
Je sais qu'une GoPro, ça peut quand même bien supporter la chaleur. J'avais un peu peur de le cramer, mais visiblement, on peut y aller comme un bourrin. Hop là. Ah, vous êtes une centaine à nous suivre. Ça fout une pression. Ouais, je suis pas à l'aise là. Va falloir que je m'y remette. Dommage que je vois pas tous vos commentaires, c'est vraiment frustrant. Désolé, hein, ne mettez pas de commentaires tout de suite, on fera des pauses commentaires où j'irai contrôler tout ça et répondre à vos questions. Donc quand vous allez voir, genre il y a une quarantaine de secondes de délai, que je vais annoncer qu'il faut envoyer les commentaires, ça veut dire que dans une minute après j'irai regarder tout ça et répondre à vos questions. Et comme Dom fait aussi, si jamais il fait que répondre aux commentaires, il avance pas dans le... Ça commence à être chaud là. Il avance pas dans le montage d'un drone. Et moi c'est pareil, si je fais que lire les commentaires, j'avance pas dans ce que je fais. Donc c'est un peu long pour vous. Alors là, on va se concentrer sur la première étape. Alors si je perds l'écran LCD devant, c'est pas grave. S'il est trop chaud. Ce qui compte, c'est pas du tout brûler le capteur. Il est quand même assez loin. Voilà. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris un cutter pas trop affûté. Et comme la dernière fois, je comprends pas comment il a fait pour démonter ça de façon propre. Parce que ça me brûle. Et ça se décolle, mais vraiment pas proprement. Parce que derrière cette couche de plastique là, il y a des vis et c'est elles qui permettront... Ah, ça vient quand même plus facilement. Ah, j'ai compris. D'accord, en fait, faut chauffer morceau par morceau plutôt que l'ensemble. La dernière fois, j'avais chauffé tout d'un bloc et forcément, ça s'est refroidi vite. C'est pour ça que tout s'est arraché. Ah ouais, ça vient plus facilement. Aïe. Donc ouais, vous voyez derrière le plastique type silicone, on va pouvoir accéder aux vis. Il me semble que c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. J'avais réussi à enlever le plastique dur en même temps que le silicone. De toute façon, je compte pas la remonter, hein, donc tant pis pour la façade. Allez, on va réchauffer un peu. Ouais, il y a une vis ici, là. Vous savez, quand je fais un tuto, c'est pour moi-même, 2 mois plus tard, hein, regarder comment faire, parce que j'ai déjà zappé et oublié les détails. Donc, si je dois redémonter une caméra, ça me servira, ce stream, de regarder la rediffusion. Hop là. Tiens, on va essayer un truc. J'ai pris cet appareil pour ça. C'est que ça peut zoomer. Par contre, pour l'autofocus, je devrais le mettre en manuel. Voilà. Et on va se faire le point. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Ça a déjà refroidi. Dès que c'est froid, ça se décolle et ça s'arrache. Donc il n'y a pas les vis apparentes. Donc ce que je fais, ça sert peut-être à rien. Moi, j'avais tellement tout arraché que j'avais le plastique dur blanc là qui était venu aussi. Ce morceau là, il est trop bon. Il s'appelle... C'est Along the River de Panda Dub. Ah non, c'est Standard Petrol ça. Je suis pas sur Panda Dub là. Ok, bon, tant pis, c'est SoundCloud. Là, c'est venu facilement. Ouais, en fait, c'est la façade.
C'est pas obligé de démonter le silicone. Je le fais parce que j'essaie de me souvenir s'il y a des vis. Non, il n'y a pas de vis à cet endroit-là. Comment j'avais fait? Bah, je pense que je vais pas tout faire dans cette session de stream. Parce qu'il y a un moment, faut sortir le Dremel. Et le Dremel, je peux pas en faire là. Mais bon, ça sera l'occasion de tester le système. Vu qu'Adrien m'a beaucoup aidé. Adrien de Chronodrone. Et bah, ça a l'air plutôt stable. Hein. Je vais, là, dans 2-3 minutes, j'ai regardé vos réactions un peu. Mais je suis plutôt content de ce qu'il a fait. C'est incroyable. Savoir qu'en plus cette solution de live là, elle est complètement autonome, je peux la mettre sur batterie, tenir pour l'instant je pense que je peux tenir une heure sans problème, et peut-être avec des batteries supplémentaires, je peux faire une émission autonome sur des terrains, etc. Encore plus longue. Bon bah il n'y a pas les vis. Je vais finir par tout enlever quand même pour avoir un peu une petite visibilité sur ce que je fais. Savoir que ma première GoPro 16, je l'ai arrachée. Hein. Elle fonctionne, mais j'ai pété le Wi-Fi. Donc, pour la régler, c'est vraiment compliqué. J'ai mis toute une journée à la démonter la première. Chaque fois que je donnais un coup de cutter, le cœur est battu à 130-140 décibels. Décibels, dBm. Et on pouvait plus, j'avais des sueurs froides tout le temps. Et jusqu'au bout, j'avais pas fait trop d'erreurs. Et j'ai craqué au dernier moment. Le mieux est l'ennemi du bien, j'ai voulu mettre un petit coup de riselant de collier en plastique là, pour pouvoir tenir un petit peu quelque chose. Et ça a arraché mon wifi. Hop là. Bah, si vous passez par là, c'est le moment de passer votre temps à regarder comment on démonte une GoPro. Je sais plus si Yann il a fait le tuto là-dessus d'ailleurs. On fera un mieux que moi, je pense. Permettez-moi de vous poser une Mais voilà, moi on pourra voir les conneries. Est-ce que ça coûte? Normalement, il y a une vis là. Où est-ce qu'elles sont? Bon. Donc, on se retrouve avec la façade enlevée. Allez, hop, le point. C'est quoi ce son là? Ok. Donc, voilà, on a la partie en fait en plastique dur. Qui est en façade, et visiblement il faut faire décoller la colle verte. Vous voyez le pourtour de colle vert là? C'est ça qu'il faut faire sauter. Et là je vois qu'il y a moins de colle, donc on va essayer de l'aborder par le côté où il y a moins de colle. Allez, on refait le point. Voilà. Hop, faut y aller tout doucement. Il y a l'électronique. Surtout à ce niveau-là, il y a de l'électronique. De ce côté-là, il me semble qu'il n'y a que du magnésium. Donc ça va. On peut y aller tranquille. Je pense que le cutter, c'est pas aussi la meilleure idée. Hein. Faites gaffe, les gars. Si vous voulez faire pareil, venez pas vous pleurer. Ouais, regardez Pablo faire un truc. J'ai mis un full throttle contre un château d'eau, mon drone s'est pété. Bah ouais, mais bon. Moi j'avais un speedbop. Un drone en plastique tout mou. Impossible à péter. Ouais, là il y a la colle là-dessous. En fait, il y a pas mal de colle. On va réchauffer.
Ah, du coup, allez-y, envoyez les questions. Je vais regarder un peu tout ça. Alors, donc pour voir les questions, je vais aller sur Facebook. Désolé, c'est pas sur YouTube. On chauffe bien en attendant. Oh là, le chat de questions. Ce serait bien de songer à arrêter de bouffer tes ongles. Hein. Eh ouais, écoute, hein, ça fait 29 ans que je fais ça, depuis bébé. Donc ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Ouais, Neurosis maintenant, ça court les rues. Ouais, sur le bon coin, tu en trouves pas mal. Pas beau, il fixe it. Ah ouais, je peux pas voir le chat d'avant, merde. Bah allez-y, envoyez les questions. Bah écoute, démontage ou destruction, en direct, on saura ça. Normalement, c'est démontage, parce que quand même, je l'ai déjà fait une fois. Allez, on y va. Ouah, l'écran, là, il a fait la gueule, là. Il est en train de devenir marron. Allez, il faut décoller. Viens par ici. Ouah. Ah, c'est chaud, je vois pas comment ils ont fait pour démonter ça proprement. Parce que c'est pas remontable. Si, si, Yann Kibungi m'a dit que lui sait faire. Et c'est remonté. Et genre, il a un problème avec sa... Qu'on appelle ça, là. Il a un... Ah tiens, merde, j'ai oublié de prendre les outils pour ça. Il a un... Il la démonte, il la remonte. Et il l'envoie, en fait, en assurance. Parce que il m'a dit que c'est possible de la remonter proprement. Moi, je sais pas faire. Donc, tant pis. Pour moi, elle est morte. Ça passera en perte des profits si je me rate. Mais bon, pas le choix, hein, parce que j'en ai besoin, là. Encore une fois, les gens qui seraient un peu choqués de me voir faire ça, c'est pour du travail, c'est pas pour le loisir. Si c'était pour le loisir, je ferais pas ça. Je me contenterais d'une KDX Turtle et une connerie comme ça. Mais là, pour travailler, bah, c'est pas des sommes si énormes, hein, par rapport à ce qui peut être... tu peux pas m'appeler Red là. Je suis en train de faire un live. Red, arrête. Attends. Là, si vous voulez foirer le live, appelez-moi ou sur le chat Facebook. D'ailleurs, je dois être connecté sur Facebook quelque part. Voyons voir. Il faut que je me sorte de là. Ah bah, mais je suis obligé pour avoir le live. Putain, c'est vraiment le piège ça. Allez, j'ai commencé à avancer. J'ai vu que la colle verte s'est blanchie sur cette partie-là. Alors, vous me dites dans le chat, je reprends, possibilité de la reconditionner? Non, je pense pas. Enfin, pas moi, en tout cas. Moi, je saurais pas faire. Ensuite, une autre question. Ah, il a fait exprès, Red. Quel crevard. tu peux pas utiliser une espèce de tournevis? Tu vas te planter là. Non, non. Il faut un truc en plastique fin comme iFixit justement propose dans ses montages. Alors je l'ai pas. Du coup j'utilise un cutter très très peu affûté que je garde pour ça. Voilà, la peinture commence à... La colle pardon commence à virer. C'est du gain de terrain, hein. Morceau par morceau. Pas possible de trouver des spars de GoPro 7. J'ai cassé la mienne LCD à l'avant contre un arbre. Bah écoute, moi je veux bien te la racheter, hein. Non, je crois pas qu'on peut trouver du spare parce que en fait tu vois à quel point c'est complexe à démonter. Je pense pas qu'ils vendent des pièces détachées comme un écran LCD. Qui d'ailleurs, j'ai pas compris comment on le démonte sans l'arracher, hein. Ça aussi, c'est un mystère pour moi. Bon voilà, là on arrive au moment où t'as fait ça calmement. Tu te dis ouais, je vais faire ça bien, puis là j'en ai marre. Donc je vais y aller un peu plus comme un bourrin. On va sortir la pince. Faut juste regarder où tu fais pression pour pas arracher tout. Faut pas se mettre sur un circuit imprimé et faire pression sur des composants. Voilà, le magnésium c'est bon, tu peux y aller doucement. Mais faut faire très gaffe à pas se mettre en pression sur des composants. Gagner du poids c'est le but, ouais. Mets-toi en indisponible. Ah tiens, ça c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire sur... Facebook, c'est que je veux pas que les gens me voient connecté parce que j'ai un PC qui est tout le temps connecté et tout le monde me pense connecté alors que je le suis pas forcément.
C'est pour ça que parfois vous croyez que je lis les messages, et en fait non, je les vois pas, il faut juste me relancer si vous m'envoyez un message et que je réponds pas. Voilà, ça y est, c'est en train de venir. Wouhou ! Je sais que l'écran, je l'avais arraché la dernière fois, donc je vais y aller tout doucement à la fin. Mais oui, c'est pour ça que j'ai vu... Ah oui, alors pour les commentaires, c'est pour ça que j'ai un microphone pour un gars qui s'occupe des commentaires. Et j'ai en fait une deuxième entrée son pour un autre animateur. D'ailleurs, il n'y a pas de batterie là-dedans. Ouais, c'est bon, j'ai viré la batterie. Et comme ça, il y a la personne qui s'occupe des commentaires. Mais là, je vais pas demander à Jean-C de faire ça, il revient du taf. S'il est revenu d'ailleurs. Ok, Dalalgio. En tout cas, si t'as des GoPro 7 qui sont pas fonctionnels, enfin qui sont fonctionnels, mais dont l'écran arrière ou avant est cassé, moi j'achète. Pas au prix du neuf, hein, faut pas rêver, mais. Voilà. Ah, voilà, là j'ai un peu avancé. On va réchauffer. Ouais, ça chauffe énormément. Ça chauffe autour de 200 degrés facile. Hein. Bob Rasta, ouais, ça chauffe fort. Salut Loïc. Ah, est-ce que j'ai raté des questions? Luc, je disais au début là, je fais ça pour la gagner du poids et la mettre sur un 85X qui est un petit bêta FPV qui porte sans problème les 29 grammes de la GoPro. Surtout en 3S, alors quand j'aurai les EC 4S, ça va être encore mieux. Elbastos, aucune GoPro n'a été maltraitée durant ce tournage. LOL. J'ai déjà des traces. Allez, on attaque, on attaque. Hop. Allez. C'est en train de venir. Voilà, 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 voilà. Sauf que j'ai fait une bêtise. Je crois que les outils sont en dessous, mais j'ai oublié de prendre l'outil Torx miniature qu'il faut là. Je crois que c'était un tournevis plat, mais en fait c'est un Torx. Ok, donc là on est à une étape intéressante. C'est que j'ai réussi à démonter et décoller, on va dire, la moitié de la façade en plastique. A noter que l'écran LCD est plus grand que ce que laisse apparaître la petite fenêtre, c'est marrant. Ok, donc faut encore chauffer. Dites-moi au fait dans les commentaires si le son de la musique n'est pas trop fort. Quand je parle, je sais que ça baisse. Mais quand j'arrête de parler, il faut me dire si c'est trop fort ou pas. Là, je vois sur mon niveau de monitoring et c'est pas dégueu, mais à chaque fois, je me rends pas compte sur les téléphones des autres. Allez, viens là, toi. Putain, ça m'avait saoulé la dernière fois, je m'en rappelle maintenant. Allez, on va chauffer ici. Trinx, à ce qui paraît, Trinx, t'as cartonné ce week-end. T'as cassé des culs. Y'en a qui a un peu oublié, ben, pourquoi t'étais sponsor AC avec les meilleurs, hein, chez AC à l'époque. ouais. Ouais, écoute, désolé pour les yeux, hein, ceux qui sont qui chérissent leur GoPro. Mais je rappelle que ces GoPro, on les envoie contre des murs en béton ou des arbres. Non, ce que je leur fais, c'est au contraire, c'est une meilleure fin de vie. C'est-à-dire que je vais tellement voler smooth et propre et lentement, puisque c'est du ciné-whoop, que c'est presque préférable que cette GoPro ait cette vie que faire du bandeau, quoi. Le bandeau, je pense au GoPro de Tom's. La GoPro qui a fini dans les mains de Tom's, elle a pas tiré le bon lot, hein, pour avoir une vie douce. Imaginez, tu sais, les GoPro là dans les magasins, ils voient y arriver les clients, genre ils voient un père et sa petite fille de 4 ou 5 ans qui apprend à faire du vélo. Tout le monde, toutes les GoPro, ah, choisis-moi, choisis-moi. Parce que ça va, quoi. Par contre, quand ils voient des gars avec une paire de Fat Shark sur la tête, tiens, changement de GoPro. Là, il y a toutes les GoPro qui se planquent là dans le présentoir.
ceux qui savent ce que c'est le FPV pour une GoPro, c'est forcément une mort violente assurée. La question c'est quand. Il y en a en une session, ils peuvent la tuer la GoPro. Ça y est, je crois que je suis arrivé au bout. Il y a juste un coin qui me résiste encore. Allez, il n'y a que ce morceau-là qui me résiste, là. On en est presque au bout. Oui, la GoPro 6, si je la démonte, c'est pour Real Steady. Bon, et pour la musique, m'accusez pas, hein, c'est SoundCloud qui choisit, hein, c'est pas moi. Ah, voilà. Oh là là. Ça y est, regardons, on va faire le point pour fêter ça d'ailleurs. Hop, on va faire ça manuellement, voilà. Et voilà, tadam. On y est presque, ça y est. Donc j'ai démonté cette pièce. Et comme vous pouvez voir, c'est collé. Et on n'est pas obligé d'enlever la partie siliconée à la surface. Je l'ai fait parce que je voulais voir ce qu'il y avait sous le plastique. Je me souvenais plus s'il y avait des vis là ou dessous. Donc maintenant c'est fait. Et donc on se retrouve avec la GoPro comme ça. Voilà. Le son un poil trop fort. Ok, merci. On y va. Hop. Allez, on va baisser. Voilà. J'espère que c'est bon là. On en est là. Heureusement, c'est même pas 0,5 des GoPro qui ont cette vie. 0,5%. Ouais, Huguette. Mais bon, celles-ci, elles sont vraiment malchanceuses. Bon, alors on se retrouve du coup avec la GoPro sans sa face avant. Vous avez vu, c'est pas facile à démonter. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis Torx toutes petites. Type téléphone, enfin c'est les grosses qu'on peut trouver dans les téléphones. Et par rapport à mes outils, à moi, c'est tout petit. Donc petite pause, je vais fouiller dans mon bordel pour retrouver la boîte à outils qu'il faut. Là, je pensais que c'était un cruci, mais j'avais déjà oublié. Alors, dans mes souvenirs, j'ai ça. Voilà, c'est bon, c'est là. Eh ben ça va, c'était pas trop enterré. Écoute Trunks, si le live est sympa, c'est pas grâce à moi. Hein. C'est grâce à Chronodrone. Alors, le petit Torx qui va bien. C'est une étoile. Qui est... J'espère que c'est celui-là, mais ça m'a l'air trop gros. C'est trop gros. Forcément, j'ai dû l'utiliser le... paumé, comme d'hab. Qu'est-ce que j'ai en petit là? Tiens, il y a lui qui est pas mal. Ouais, c'est bon. Il est un petit peu gros, faudrait trouver la taille en dessous. Mm-hmm. Bon, alors si on ne trouve pas, on prendra celui-là. Allez, on va essayer de démonter ça. Donc maintenant qu'on arrive au torse, est-ce que... Ouais, il faut que je refasse le point. Alors l'auto... On va lui donner un peu de chance à l'auto... à l'autofocus. Ouais, non. Ouais, il galère. Allez. Ouais, il n'y arrive pas à l'autofocus. On va repasser en manuel. Hop. Voilà. Allez. Non, c'est trop gros, donc on va essayer celui-là qui est plus petit. Non, si j'ai pas le bon outil, je suis mort. Bon, on va faire un autre truc. C'est qu'on va prendre un petit tournevis plat. C'est trop gros aussi. Bah ouais, forcément la tête... J'ai dû l'oublier. Alors, où est-ce qu'elle est?
On va voir ce petit Corvus Plas qui fait l'affaire. Non. Bon, on est comme un con là. J'avais complètement zappé cette histoire que j'avais pas gardé à le bon outil. Qu'est-ce que j'ai fait de ce truc là? Si Jean-Sté était là, il pourrait me prêter les siens, mais. Non, c'est trop gros. Attends, je vais essayer avec un coup de... avec une pince. Non, c'est la galère. Je vais les foirer. Bon, eh ben, on va fouiller le bureau de Jean-Sté. Ne vous dites rien. Alors, où est-ce qu'il est rangé? Je sais qu'il a une toute petite boîte trop bien. Et il faut que je la retrouve. Non, il n'est pas là. Allez, il va falloir retrouver sa boîte. Où est-ce qu'il met ça? Ah oui, il a une boîte à outils. C'est où déjà sa boîte à outils? Le petit tournevis qu'il m'avait prêté la dernière fois quand j'ai démonté la GoPro, et forcément, j'ai oublié que c'était lui qui me l'avait prêté. Donc, c'est le fameux premier live pas préparé. Où est-ce qu'il met cette boîte? Ah, je l'ai entendu une porte claquer. Peut-être qu'il est arrivé. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Ah, il y a une boîte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oh merde, il va falloir que j'aille voir en bas s'il arrivait. Ah, il faudrait inventer le... Il faut que je prévoie une vidéo là. À publier pendant ces temps morts. Jean-Sté? Je suis en plein live et je cherche ta boîte à outils que tu m'avais prêtée quand j'avais démonté la GoPro 7. Tu te souviens? C'est la boîte à outils que tu avais chopée à Lidl. Je crois, tu sais, avec les embouts. Bon, ça a été la journée? Ouais, là, les gens m'entendent en fait. Désolé de te casser les pieds à peine rentré. Bonjour. Attends, il y a le micro là-haut si tu voudras participer. Donc là, en fait, ils sont en gros plan sur une GoPro 6 à moitié éventrée. Et ils attendent juste que tu nous délivres avec des tout petits embouts de ces étoiles. Et je me souviens, c'est ta boîte rouge là. Que t'as... Faut... Moi j'ai perdu l'embout dans ma boîte, et forcément. Bah alors combien de flyaway et de perte de contrôle t'as évité aujourd'hui? Donc il a eu des bons élèves lui. D'accord, t'as évité les crashs quoi. Un ESC de F450? Ah ouais. Ça fait la même DJI dedans, c'est l'électronique de base, hein. Faut pas rêver. Fais voir, ouais, c'est ça. Je regarde. Pour moi, non, c'est peut-être pas ça. Mais on va. Il y en avait une boîte plus petite, tu te souviens? Ah voilà, c'est celle-là. Ouais, je suis sûr, c'est celle-là. Merci beaucoup. À tout à l'heure. De toute façon, je vais pas streamer pendant des heures. Hein. Je suis de retour. Vous êtes toujours là. Il y a 110 personnes. C'est n'importe quoi. Ouais, bon. Nicolas, ouais, t'as pu entendre. Allez, c'est bon, on a les outils. Donc, c'est de cette boîte-là. Mmh.
C'est un des plus petits. C'est celui-là. Salut Michel Desbabous. J'espère que la famille va bien. Ta petite clique. J'ai failli passer il n'y a pas longtemps là, à Lille. Jimmy m'avait invité, j'ai pas pu venir. Ça y est, c'est celui-là. Allez, on y va, on reprend. Donc, cadrage, le cadrage est bon, le point n'est pas bon. Voilà, le point est bon. Donc, vous pouvez voir, c'est ces petites vis à démonter. Aïe. Voilà, on est bon là. Donc, c'est comme je disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vis à démonter. Étoiles. Elles sont pas très grandes. Il va falloir que je me retrouve ma petite pince pour les choper. Voilà, je les range sur le tapis bleu là, qui est plutôt cool. Il y en a un qui me balance, Laurent Ferry. Ah ouais, d'accord, je vois le genre de mec que t'es, hein. Je retiens, hein. Salut Ali GK, Almanzo. C'est quoi ASMR? Victor, j'ai vu passer des vidéos qui disent ASMR, j'ai pas suivi le mouvement. La garantie, a priori, on la viole violemment là. Ouais, ma GoPro elle marche plus. Je sais pas, je suis arrivé au niveau du capteur, il y a un coup de vis qui est parti. Coup de tournevis. Et là, tout d'un coup, le capteur il marche plus quoi. Salut Thierry. Hop. Je vais essayer de faire mieux que la dernière fois que j'ai démonté une GoPro. A savoir que j'ai essayé de débrancher l'écran sans l'arracher. Ce serait pas mal. C'est du son 3D faible pour s'endormir ou se détendre. Ah. Ça c'est de l'ASMR là. C'est ODG Prod is Ichiban Mission Koala. Bah après on va changer de registre. On va se mettre comment ça s'appelle déjà? Mince, j'écoute toujours son son et j'ai trop de mémoire là. Hop là. Rémi, bah écoute, moi je sais pas si ça fonctionne, Real CD avec une GoPro 6. Je me base que sur ce que Gabe et d'autres partagent, leur fait confiance. En fait, ça fera un effet différent du Hyper Smooth. En fait, j'aimerais bien avoir des vidéos avec l'horizon plat. Parce que quand tu vends des images drone d'intérieur avec un CineWhoop, même si c'est cool, ça passe partout, ça donne des effets particuliers, les clients ne sont quand même pas prêts à avoir un horizon qui débule. Ça leur fait bizarre. Allez. On a enlevé les 4 vis. Donc pour l'instant, le déchiquetage est en bonne voie. Hein ? Alors, on range un peu. Une phase de production, une phase de rangement. Sinon, on est débordé en deux temps. Trois mouvements. Voilà. Donc, la suite. Là, c'est plus délicat. C'est que... Je vais essayer de le montrer. Hop. Donc, vous voyez, il y a le... Comment on appelle ça, là? Il y a le... Voilà, je vais essayer de le montrer en zoom. Ça se détache doucement de la coque en plastique. Parce que toute la partie avant, là, celle-ci, elle est coincé dans la coque en plastique qui est à l'arrière. Et je crois qu'il faut céder un peu.
sur cette partie-là, sous la lentille. Voilà. Il y a une sorte de truc qui coince là. Je me souviens plus ce que c'est. Il n'y a pas une vis qui manque là? J'ai pas oublié une vis? Non. En fait, vous avez aussi un tuto sur iFixit qui, avec des photos, vous montre pas à pas le démontage de la GoPro. Ça va être pas mal. Je sais plus s'il y avait un truc à démonter avant. Pourquoi pas, hein? Non, c'est ici que ça devrait venir. Là, il y a un truc qui me retient là en bas. Ah, ça y est. J'ai réussi à me décoller un peu. Je regarde si je suis pas en train de tirer un câble. Non, c'est ça, il n'y a pas de câble ici. Il y a le câble de la batterie, mais il est un peu long. Et il y a aussi la nappe de l'écran. Voilà. Alors attention, j'ai réussi là. Donc ça peut s'ouvrir dans ce sens-là. Et vous avez donc deux nappes, c'est l'écran. Une nappe, ça doit être... pour moi, c'est les boutons on, allumer, éteindre et peut-être le micro aussi. Et ici, on a des câbles qui viennent de la batterie. Alors, il va falloir déconnecter tout le monde. Voilà, on a un peu de marge quand même. Donc je vais d'abord déconnecter la prise batterie. Hop là. Ensuite, il y a l'ensemble de nappes qui est ici. Alors là, il faut y aller avec un truc très fin et pas donner coup trop fort. Bigarang, voilà, ça y est. Alors bougez pas, on va juste faire un truc là. On va changer de musique et on va passer sur du Bigarang. J'ai oublié le N. Liquid Sunshine. J'ai oublié le A ici. Alors, il est où Bigarang? Voilà. Ah non, ça c'est l'aperçu. Voilà. On reprend, on est sur la nappe là. Donc vous voyez les trois nappes. On vient en fait délicatement soulever l'ensemble vers le haut. Et voilà, on a séparé les deux blocs. On a d'un côté le bloc en plastique où il y a le case de GoPro de batterie, l'écran, les deux boutons. Et en fait, je sais pas comment il a fait pour démonter ça proprement parce que on peut démonter le case de batterie, je crois que les boutons aussi on-off on peut récupérer ça. Mais l'écran pour le récupérer sans tout arracher, mais je sais pas comment il a fait quoi. Bon, on en est là. Et moi ce que je vais faire c'est démonter le magnésium qui est ici. Parce que pour gagner du poids je vais couper le magnésium à peu près partout. Sauf au niveau du capteur du processeur de GoPro. Ça me semble bien. En fait, je vais re-regarder ce que j'ai fait sur l'ancienne là. J'ai coupé où? Oh ouais, j'ai coupé dessous en fait. J'ai coupé ici. Et le reste. Ouais, j'ai tout coupé, sauf le morceau qui permet de tenir le capteur et le port USB. Ça sera sûrement sur une étape suivante. Ok, alors là, je vais mettre de côté ça et je vais essayer de récupérer les boutons en fait. C'est-à-dire tu as une nappe où tu as le bouton on-off et on-off et rec. Voilà, ça c'est à récupérer. Osmoop, franchement, je trouve que tu fais ça propre pour l'instant. Merci.
En gros, c'est quelqu'un qui chuchote l'oreille des gens. Ok, merci Pierre-André, je connaissais pas ça. Allez, on y va. Là, on arrive à une technique où la légende raconte, selon Yann Kimbongi, la légende raconte qu'on peut démonter ça propre. Et là, ben moi, on m'a pas raconté cette histoire quand j'étais petit. Moi, on m'a dit, tu prends une pince et tu tires vers le haut. Voilà. Ça, c'est enlevé. Ça, c'est le compartiment batterie. Donc ça, je vais pas le garder, je m'en fous. Ensuite, il faut faire attention à cette nappe-là parce que c'est un truc qu'on s'en fout complètement. Mais bon, faut pas non plus arracher l'épine. Enfin, je vais essayer de le montrer. Est-ce qu'on peut le voir dans la... Ouais, on va voir. Je vais essayer de cadrer pour réussir à le voir. Hop, on fait le point. Ah, où est-ce qu'il est? Là, voilà. Vous voyez, à cet endroit-là. Voilà. Ici, il y a une nappe, là, le truc orange. Il faut la déconnecter. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est le micro. C'est un des micros. Ou peut-être l'haut-parleur. Ça ressemble aussi à un haut-parleur. Vous savez que quand on regarde ces rushs de GoPro, on a le son en fait. Voilà. Alors ça s'appelle pas démonter, ça s'appelle arracher encore. Il faut pas faire de courge par contre. Voilà. Super. Ici, il y a une petite vis en tourne en cruciforme. Je peux monter légèrement le son de la ZIC. Ok. Merci, merci Stéphane. Alors, elle est où? Elle est là. Je trouverai à force le bon degré de son qu'il faut. J'arrive pas à l'accéder à ce truc-là. On va essayer avec un autre outil. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir des bons outils, ça c'est sûr. Pour pas se faire chier. Un petit cruci. Très pointu, ça doit être lui. Hop. Non, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Truc, c'est que j'arrive pas en face en fait. Comment je vais accéder? Moi j'avais tout cassé justement pour y accéder. Et là je vais essayer avec vous patiemment de trouver un moyen de pas tout casser. Bon, comment je vais m'en sortir? C'est soit j'arrache tout, je dois résister à cet instinct primaire, soit je trouve comment démonter ça proprement. J'aimerais bien, mais ça a l'air compliqué. Tiens, peut-être en attaquant sur le côté là. Non. Qu'est-ce que j'ai? Un petit cruci, c'est ça. Peut-être celui-là, il est mieux. Non, je vois pas comment faire, hein. Valentin, Valentin, je démonte une GoPro 6 pour qu'elle soit plus légère. Et là, on est à l'étape de récupérer les boutons on-off et rec. Ah, je crois que je suis en train de la dévisser là. Ah, j'y suis arrivé. Ils sont bien ces outils-là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce son tout étouffé là? On va changer de musique là parce que là on n'est pas sur un bon plan. Alors il n'y a pas des titres qui durent plus longtemps que 30 secondes. Ah, il a tout mis en aperçu, hein, Bigarance. Bah, normal, hein, il attend à gagner sa vie avec la musique. On va essayer un truc random là. Allez, hop, c'est parti.
Alors, ok, bravo, c'est pour un Snoop, oui. Pour un 85X. J'ai la GoPro 7 démontée. Maintenant, je veux la GoPro 6 démontée pour LCD. Ah, il est vraiment capricieux ce truc-là. Je vois pas comment on démonte ça proprement. Les gars qui montent ça en usine, ils font ça, mais tellement bien. Ah, voilà. Bon, 50-50, à moitié démonté, à moitié arraché. Donc ça, c'est le GPS. Vous voyez? Il y a une petite puce céramique. Ouais, ça c'est un GPS. Ce qui serait marrant, c'est savoir si on peut récupérer les pins et mettre ça sur un drone. Mais bon. Voilà, ceux qui veulent, hein, dites-moi dans les messages, ceux qui touchent bien le code sous Betaflight. Et les montages avec des puces GPS, n'hésitez pas que je vous donne ça en passant à Paris. Voilà. Hop. Mais à plus et divise drone. Ok, là on arrive à cette partie-là. Donc c'est une nappe où il y a le bouton power. Et donc là délicatement je peux la sortir. Putain, c'est chiant. Attendez, je vais changer le cadre. Voilà. Il faut essayer de sortir ça sans tout arracher. Mais bon, pour moi, il y a un truc qui coince, c'est que ici, là, c'est bien tenu par le plastique. Il y a une vis qui bloque quelque part. C'est la nappe, là. Bon, ça on va le péter. Voilà. Donc là il y a l'écran. Ça c'est ces deux nappes là. Et ici c'est le module de commande on/off. Le 85X4K va sortir. Ah mais tu sais que pour l'instant GoPro ils sont pas prêts d'être détrônés par les Chinois, même si DJI a bien avancé sur le dernier coup. Ils sont pas encore au niveau de GoPro. Les ingénieurs qui font les codecs, qui font la stab aussi un peu. Ils sont pas mauvais hein, les Américains encore. On va pas les vendre la vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, puisque pour moi GoPro est toujours leader et ma référence en caméra légère de bonne qualité. Il y a aussi Sony qui fait la RX0, mais j'aime pas le FOV qu'il a. Alors là, on y va. Si je tire fort dessus, est-ce que ça arrache quelque chose? Putain, c'est relou, hein. Faut que je pète le plastique, hein. Tant pis, hein. Bon, ben voilà. Yann, si tu passes par là, t'as le défi de faire le même tuto que moi en montage, en démontage propre. Parce que vraiment, je sais pas comment tu fais, hein. L'interrupteur, c'est pas le seul truc que j'ai besoin de récupérer. C'est quand même tout le capteur. Il y a tout le capteur, le port USB. J'aimerais bien garder l'écran aussi si j'arrive. Mais sur cette partie-là, oui, l'écran et le cap. En fait, l'écran, je le garde pour connecter de façon temporaire pour contrôler les fichiers, etc. Donc, ça, je le garde. Mais oui, ce qui reste sur la machine qui vole, ça va être en effet le bouton power on/off. Ouais, il est là, hein. Est-ce qu'il vient si je tire? On est plus loin de la vérité là. Ouais, ah, on y est presque. Voilà. Ça colle toujours. Super, je redresse un peu tout ça.
qui compte, c'est pas avoir abîmé les nappes. Ça y est, donc hop. Alors, où est-ce qu'elle est, la nappe? Elle est là. Hop. Voilà, ça c'est le plus important, ne pas abîmer cette partie-là. Donc on a ici, voilà, ça c'est le rec, et ici c'est le on-off. Voilà. Voilà. On a aussi les LED, pour savoir quand ça rec ou pas. Donc ça, faut le garder parce que ça se connecte sur la partie capteur. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer l'écran. Et pour ça, vous allez voir, c'est un vrai massacre. L'écran n'est pas obligatoire si tu as le Wi-Fi qui fonctionne. Parce que comme ça, grâce au Wi-Fi, tu fais le monitoring de ta GoPro. Mais bon, il n'est pas mort, donc je le récupère. Et ça, je vois vraiment pas comment le démonter. Hein. C'est clipsé, collé. Incapable d'imaginer un démontage propre. Hein. Vraiment, Yann, si tu y arrives, respect. Hein. Donc si vous êtes sur YouTube, en fait, j'utilise un site qui s'appelle Restream.io. Et en fait, je stream à la fois sur Facebook et sur YouTube. Ça permet de streamer sur les deux endroits où je suis présent. Et malheureusement, vous voyez, les commentaires à droite ne fonctionnent pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et donc je regarde à mon téléphone les commentaires de Facebook. Donc si vous voulez m'écrire pour cette session, il faut aller sur Facebook. Et commenter le live qu'il y a sur mon mur Facebook. Et comme c'est écrit en bas à gauche, vous me trouvez à Pablo Sotes, que ce soit sur Insta, YouTube ou Facebook. Voilà, donc là on a le répétiteur de LED. Allez hop, on va remonter un peu le cadre. On va faire une question-réponse dans 2 minutes. Si vous avez des questions à me poser, même hors du sujet d'aujourd'hui, je vais y répondre avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera de démonter le magnésium pour comment on appelle ça, pour pouvoir le démonter à la prochaine session et le couper au Dremel. Vous ne verrez pas cette étape-là. Parce que je peux pas le faire ici. Mais voilà. Après, on pourra prendre la suite du 85X version Pablo. Hop là. Ouais, le pistolet air chaud, j'y ai pensé, mais non, je vois vraiment pas. Hein. C'est clipsé physiquement comme si ça a été mis. Avant de mettre la partie extérieure, quoi. Comme elle est collée, la partie extérieure. Donc ça, c'est le haut-parleur là qu'on va arracher. Moi, je veux pas me faire monétiser. Je pense que c'est tes questions, Flavien. Je gagne bien ma vie, pas besoin d'être monétisé. Ah. Y a pas assez internet ou quoi là? Il y a une petite baisse de connexion là. On est sur le 4G. Dans quelques temps, j'aurai
plusieurs opérateurs pour faire des streams avec plusieurs sources d'internet en même temps. Donc il y aura encore moins de problèmes. Ça va s'améliorer tout au long de l'été. Si j'arrêtais de vous faire des tutos sur YouTube, c'est surtout parce que voilà, j'ai plus le temps de monter, hein, de faire le montage. Ça prend un temps fou. Alors, je reprends les commentaires qui ont disparu. Hop là, non, c'est pas que je voulais faire. Partager. C'est où les commentaires? C'est là. Voilà. Moi, je veux bien voir la gueule que ça a au final. Au final, ça ressemble à ça. Ça, c'est la version pas finie, c'est-à-dire qu'il manque une impression 3D haute. J'ai fait la partie basse et il manque la partie haute. Voilà. Hop. Donc l'écran qui est là. Oh. J'essaie d'enlever le pourtour. Ouais, c'est bon, on va finir à la pince coupante pour qu'il soit plus tout plat. Ouais, donc question-réponse là dans 30 secondes, le temps que je finisse le tour de ce bout de plastique. Et après, on démonte la suite. Et voilà, on a fait la moitié du tour. Si vous faites des trucs à base de Tiny Hoop, des GoPro émiettés suite à cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous faites. D'ailleurs, si vous avez besoin d'images de ce style, faut pas hésiter, j'en ai fait beaucoup que je peux pas publier, parce que je travaille avec un client qu'on peut pas partager ce qu'il fait. Mais je commence à avoir un peu d'expérience, c'est pour ça que j'en fais c'est un troisième là. C'est mon troisième celui-là. Là, j'essaye justement après les GoPro 7, la GoPro 6 avec Real Steady. Hop là. Tu n'as pas ouvert le live au public, que tes amis Facebook. Ouais, c'est normal. On va restreindre la diffusion à la petite communauté qu'il y a autour de moi. On va pas saouler les gens. Il y a déjà ces gens qui partagent n'importe quoi partout. Et puis en plus, ouais, je partage qu'aux gens proches, quoi. Pas n'importe qui. C'est un peu de l'exclusivité, on va dire, d'être amis avec moi sur Facebook. Puisque là, on est à 925 amis, 4925 amis. Dans 70 personnes, je pourrais plus ajouter des gens. Et je compte pas changer quoi que ce soit. Je veux pas être youtubeur, je m'en fiche. Hop là, voilà. Donc on a quoi? On a ici un écran. On a ici un écran. Ensuite, on a le bouton Power On-Off et Rec. Et on a l'électronique avec le magnésium. Et juste là, on va faire les questions-réponses maintenant. Et après, je vais démonter tout pour récupérer le magnésium et le découper au Dremel. Et ensuite le remonter. Que ce que j'ai besoin pour faire que mécaniquement ça soit solide, mais en étant plus léger, parce que c'est quand même assez lourd. Juste ça là, ça fait un peu plus de 40 grammes. Pour ça qu'il faut enlever le plus possible de magnésium. Je mettrai un dissipateur en alu, les trucs qui sont utilisés sur les cartes graphiques. Et ça permettra de refroidir le processeur de GoPro. Voilà. Donc question-réponse, c'est parti. Alors, on va changer de vue d'ailleurs.
Voilà. Alors, ok, par la suite, du coup, elle est alimentée en direct vers la lipo? Non. Enfin, c'est la lipo qui alimente un bec 5 volts qui lui alimente la GoPro en USB. D'ailleurs, on peut regarder vite fait. C'est le truc que je dois commander. C'est sur. Je sais pas si Studio Sport l'a pris. On va regarder quand même. Moi, je commande principalement sur Studio Sport et aussi Drone FPV Racer. On va voir s'ils ont le USB-C cable, le sort de câble USB-C qui alimente, qu'a fait Team Black Sheep. USB-C câble, on va essayer. C'est une sorte de petite nappe. TBS, on va rajouter Team Black Sheep à la limite. Une petite nappe USB type C. Où on met du 5 volts pour alimenter la GoPro. Bah, ça n'a pas l'air d'apparaître en premier résultat. On va essayer TBS derrière. Où est-ce que j'ai mis les mots-clés là? Ah, USB type C TBS. Non, je sais que DFR ils l'ont, il me semble. J'ai vu passer la news. Donc drone FPV Racer. Pourquoi je commande principalement sur ces deux sites? C'est que le Chronopost est pas trop cher. Et on l'a le lendemain si on commande dans la matinée. Donc USB type C. Voilà, on l'a. C'est ce que je dois prendre là. Je vais m'en prendre deux. T'en veux un, j'en sais ou pas? Comment? Ah, tu sais, la nappe USB type C qui se branche sur une GoPro et on met du 5 volts, ça permet d'alimenter. Ça sert au long range, tu sais, quand les GoPro elles ont passé d'énergie pour des longs. C'est à 6 euros. Ok, je t'en prends un, ok. Allez, hop. Je commanderai à la fin du stream. Il y en a assez, ouais, c'est bon. Commander. Allez, du coup, on revient aux questions et réponses. Donc, en tout cas, il y a Flavien qui dit, mais du coup, l'énergie vient de la lipo quand même, c'est ça que je voulais dire, ça doit sucer à mort. Non, ça suce pas tant que ça. Ça suce plus qu'une caméra FPV classique, ça c'est sûr, surtout quand ça enregistre en 4K, où là, il chauffe pas mal. Mais voilà, ça va perdre, tu vas perdre peut-être 10% de batterie sur un vol de 5 minutes. Tu te souviens sur YouTube si tu exportais des vidéos avec quels paramètres, genre débit, vidéo, profil, est-ce que tu boostes la résolution? Ah, je m'y connais mal moi en résolution pour uploader, etc. Monsieur Mouche, je peux pas répondre à ta question. J'exporte en. Je fais correspondre à la source sur Premiere quoi, depuis un fichier GoPro. Et je mets un débit à 30 mégabits. Voilà, il faudrait faire plus. Hein. Par la suite, du coup, l'alimenter, voilà. Ça va pas trop l'alourdir, le 85X, il va encore bien voler. Ouais, c'est vrai que ça l'alourdit hein, par rapport à une KDX Turtle, mais on est quoi? On est maximum 10 grammes plus lourd avec le bec, etc. et les protections en mousse. Donc il vole encore, surtout que là c'est du 3S et en 4S il sera vraiment plus à l'aise. Tu n'as pas ouvert le live aux amis, ouais, c'est normal. Bon, ben voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, sinon j'y retourne. Poète FPV, salut. Du coup, la suite, on va voir si vous avez des questions, c'est le moment, parce qu'après, je vais démonter ça et on arrêtera le live. Allez, on va partir sur la suite. Hop, non, c'est celui-là, voilà. Donc maintenant, on va démonter le magnésium, le truc qui permet d'éviter la surchauffe. Donc ouais, les questions je les faisais sur Facebook. La prochaine fois j'aurai je pense les questions de tout le monde, YouTube et Facebook en même temps. Tiens, c'est marrant, c'est la mienne est marquée 20 sur mon lecteur SD. C'est pas le cas de ma GoPro 7. Alors pour démonter tout ça, malheureusement il faut déposer, il me semble, toute la partie USB. Donc là faut que ça soit bien propre. Antoine Merle, il s'est passé quoi avec la GoPro? Ah bah, elle a pris un gros coup de boule. Et puis voilà, les morceaux sont tombés partout. Et il reste plus que ça. Non, je la démonte pour qu'elle soit légère. Comme j'expliquais plus loin dans le live.
Hop. Donc là, je mets un petit chiffon pour pas abîmer la lentille, parce que là, du coup, si on la raye, c'est fait pour de bon, il n'y a pas la vitre. Ouais, Stéphane, tu pourras trouver mon live et faire pareil avec ton projet. Oui, sur Facebook, je crois que il sera rediffusé. YouTube, je sais pas. Donc, je commence à démonter les vis. Alors, est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas bien. Alors, on va faire le point. Voilà. Allez, démontage. Donc celles-là, il faut bien les garder, ces vis, surtout celles qui sont près du capteur, on va les réutiliser. C'est quoi cette chanson-là? J'aime beaucoup SoundCloud. D'ailleurs, ceux qui me demandent comment je fais pour mettre des musiques sur mes vidéos, je laisse tourner SoundCloud et quand j'aime bien, je mets un like et l'algo après il me proposait ce truc intéressant. Mais là, c'est pas le cas. Allez, on change. Hop. Donc, on continue. Merci Antoine. On peut remercier Adrien de Chronodrone. C'est pas moi qui ai fait tout ça. J'ai pas les compétences. Quand on le voit faire, ça a l'air facile, quoi. C'est horrible. Alors là, il manquera les vis qui sont maintenant sous la partie USB. Donc là, il faut venir avec le cutter. Il faut enlever cette nappe-là. Voilà, ensuite, ici c'est juste un truc de protection. Alors ça, surtout ces vis-là, faut pas les perdre, puisqu'on va les réutiliser, il y a une grande vis. Non, là il faut un tournevis plus fin. Hop, voilà, cette vis là, elle est méga longue et en fait elle sert à avoir la rigidité entre le magnésium et le support USB. Là, il y a un petit truc, un guide. Ok. Comment on enlève ce truc déjà? Il faut déposer d'autres trucs. Ouais. Comment? J'ai pas entendu. Ouais, grâce à ta boîte, là, y a tout ce qu'il faut. Pour ce soir, attends, je coupe le micro une seconde. C'est bon. Allez, là, il y a une nappe. Non, on y va. Alors, mise au point. Pas trop. Alors, pourquoi ils utilisent du magnésium? Parce que apparemment, c'est un matériau léger qui dissipe bien la chaleur, qui est pas trop cher. Je pense que s'ils pouvaient, ils utiliseraient
du cuivre ou le cuivre, peut-être que c'est pas possible de le fondre et de le mouler comme ils font aussi facilement, peut-être que ça coûte plus cher aussi, mais apparemment le magnésium, c'est une sorte d'alliage en magnésium qu'ils utilisent, c'est idéal pour refroidir et rendre rigide aussi l'électronique. Il y a ça dans le Bebop 2, toute la carte mère du Bebop 2. C'est quoi ça? Alors, on le voit pas là, il est hors cadre. Voilà, là il est dans le cadre. Comment on vire ça là? J'ai oublié. Là par contre, c'est un coup à tout arracher. Ah voilà. Il faut juste tirer en arrière. Là, on a accès à une autre vis cruciforme. Ah, le son est bon là. Ouais, c'est pas le meilleur dissipateur thermique, je pense, le magnésium, mais c'est peut-être aussi celui qui a des bonnes propriétés mécaniques. Par contre, tu utilisais ça comme je disais dans le Bebop 2, et c'est quand même assez solide. Hein. Pour le péter, c'est que tu l'as cherché. Hein. Voilà. Ah, la suite, c'est quoi déjà? Il faut virer cette plaque là. Donc là, il faut une pince pointue. Ah, merci. Merci, j'en sais. Ça, c'est le truc qui me manque. Ah oui, mais tu l'avais eu dans iFixit quand t'avais commandé quoi déjà? Si, c'était pas ton kit pour les batteries de Mac? Ouais, il faut que je m'en commande un. Il est bien celui-là. Ah ouais, il est génial. Donc là, c'est le port USB qu'on a vraiment besoin. Ça, c'est le truc en métal qui, lui, par contre, on va pas le réutiliser, je pense. Autofocus, oui, maintenant, ouais. Hop. Voilà. Dommage que l'autofocus marche pas bien, là. Donc là, il y a une vis crucie. On va essayer avec celui-là plutôt. Où est-ce qu'il est le pied? Il faut vraiment des petits outils de démontage de téléphone. Hein. On va essayer avec la pointe du cutter. Non. Alors on va essayer qu'un tout petit tournevis plat. Celui-là. Voilà, petit plat. Ouais, c'est bon, ça va marcher. Au début, j'ai pas pesé, mais je crois que tu trouves l'info sur internet. C'est 111 grammes, 116 grammes, un truc comme ça. Et à la fin, elle fait 29 grammes. Avec les protections. Parce que je laisse quelques protections quand même dessus. Il y en a, il a des montres, mais il coupe pas le magnésium. Mais du coup, elle est un peu lourde. Et je pense que à plus de 29 grammes, c'est un peu chiant pour le pauvre 85X. Et il y a un autre avantage d'avoir une GoPro légère. Là. C'est que tu mets ça sur une machine de Lagrange. Et 100 grammes de différence, c'est énorme quoi. C'est 100 grammes de batterie en plus. Et en 100 grammes, tu fais quasiment un élément de 3000 mAh Lyon là. Voilà. Donc ça y est, j'ai démonté ça. Donc maintenant j'ai accès, si je me souviens bien. Voilà, il y a encore. Je crois qu'il y a encore une vis. Alors on en est là pour l'instant, on a tout démonté. Allez, on va faire le point. Hop. Donc on en est là. Hop, et j'ai démonté le bloc USB. Comme vous pouvez voir, le bloc HDMI, lui, il est intégré à la PCB.
Ah, ça c'est encore. C'est quoi? C'est une sorte de petit point truc pointu pour pousser? Ah oui, pour passer sous le PCB par exemple là et faire levier. Bonne idée. Et vous allez voir, il y a un truc trop chelou. D'ailleurs, ça par contre, j'ai pas su ce que c'était. Regardez ici, il y a une sorte d'autocollant. Parce qu'en fait, l'écran LCD de face, il est tenu en bas par la nappe qui est ici, mais de l'autre côté aussi. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte d'autocollant. Autocollant nappe. Attends, hop, on refait le point. Voilà. Oui, c'est pour le Beta 85 Cinéhoop. Voilà, hop. Et ça, c'est pas une nappe, mais c'est un autocollant. Et je sais pas pourquoi c'est là. Peut-être que cette fois, je vais réussir à pas arracher l'écran LCD. Ensuite, on a la nappe qui est ici. Voilà. Et là, le PCB, il est un peu collé par la pâte thermique. On va utiliser ce que m'a donné Jean-C, là, le petit crayon en plastique. Voilà. Donc là, j'ai décollé la plaque qui est maintenue au magnésium. Ok, donc il n'y a pas de vis qui retient l'ensemble. Il faut juste réussir ici à décoller. Je me souviens plus, est-ce que je le décolle ou pas? Non, je crois pas, oui, ça se décolle pas, c'est le capteur, il est soudé. Je sais pas si c'est une nappe, je prends pas le risque de l'enlever la nappe du capteur. Par contre, il faut quand même enlever la plaque de son magnésium. Et après, on va se retrouver avec trois vis cruciformes qui tiennent l'objectif au magnésium. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a un truc qui retient. Donc pas devant, pas derrière. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'une seule cruciforme. Qui est ici. Alors. Ah, hop, on refait le point. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'un petit cruciforme qui maintient le bloc optique en fait au magnésium. Celui-là, on en aura besoin. Voilà. Pareil, je perds pas ça. Et là. Le bloc qui s'enlève. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Et en fait, si on veut, on pourrait très bien se passer de 100% du magnésium. En mettant un bon dissipateur thermique sur le processeur qui est ici. Hein, eh ben on pourrait très bien avoir la GoPro comme ça. Sauf que je vais garder un morceau du magnésium pour pouvoir avoir un peu de rigidité. C'est quand même pratique, hein, que ça soit un peu solide. Mais voilà, ça en fait c'est une GoPro 7. Vous branchez la nappe ici, qui permet d'avoir le bouton on-off, REC. Vous branchez le bloc USB qui est ici. Et on pourrait faire mieux que 29 grammes. Tiens, d'ailleurs, on va s'amuser. Bougez pas, je vais chercher une balance. Allez, on va s'amuser à peser
Le poids minimum que pourrait faire une GoPro. Allez, on y va. Voilà. Donc, je vais l'allumer. Voilà. Alors, j'ai une GoPro d'origine. On va voir le poids qu'elle fait sans la batterie. Quoique si, avec la batterie, puisque ce qu'on pèse, c'est avec la batterie, puisque faut que ça marche. Donc, voyons voir. Voilà. Ça, c'est une GoPro. 92 grammes sans la batterie. 116 grammes avec la batterie. Et là, le minimum syndical pour fonctionner, c'est ça. Plus l'USB pour alimenter. Plus le bouton on-off. 19 grammes. Si quelqu'un designait en fait un châssis minimaliste en nylon, en matériau un peu solide, en impression 3D, on serait à 20, il dit 21 grammes là. Qu'est-ce qui s'est passé? 20 grammes. Moi je pense qu'on pourrait être à un peu plus de 22-23 grammes. Ah, t'as la base, balance de précision. C'est jusqu'à 50 grammes, c'est ça? Ah, mais du coup, je suis à 20 grammes pile poil. Ouais, on sépare les éléments, ouais. Alors, vous en pensez quoi là? 29 grammes, une GoPro 6 ou 7, parce que c'est les mêmes, hein. Allez, on va essayer avec la balance de précision. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui vont reconnaître ce genre de balance. Moi, j'avais vu ça quand j'étais petit aussi. Ok, donc on la met comme ça. On fait on. On met le petit plateau. On fait tar. On pose l'électronique. Ah, mais il va pas tenir. Alors, attends, dans ce sens-là. On est à 16,8 grammes. Le port USB qu'on ne peut pas se séparer. 18 grammes. Et le châssis qu'on pourrait rendre plus léger en gardant que la nappe. Donc il y a bien un peu plus de 1 gramme de matériau qui sert à rien. Ouais, on dépasse les 20 grammes. De pas beaucoup. Donc je vais voir. Donc on va faire une addition. 18 grammes 0 plus 2 grammes 7, mais vu qu'on a du métal, on pourrait l'enlever. Ouais, en fait, on serait sous les 20 grammes. Une GoPro 6 ou 7 allégée à son maximum. Allez, je te range tout ça. Enfin. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, petite. De toute façon, là, on va arrêter le stream bientôt, puisque j'ai fini. Maintenant, faut que j'aille au Dremel. Hop. Et on reprendra sûrement vendredi. On verra. Je vais récupérer mon 85X sur Paris. Voilà, les deux balances. Bon alors, qui va faire mieux que les 29 grammes? 20 grammes. Putain, c'est dingue. 20 grammes. Mais ça veut dire que. Ah, ça veut dire que 20 grammes, attendez, on va changer de scène. Bah, ça veut dire que 20 grammes de caméra, ça peut monter sur un truc encore plus petit que le 85X. Voilà. 20 grammes, ça passe aussi sur le 75, mais ils volent pas bien. Enfin, pas trop mal. La Cadix, elle a combien? Ouais, si quelqu'un connaît le poids de la Cadix Turtle. En plus, c'est vrai qu'on peut se passer d'une caméra FPV. C'est l'avantage. J'ai dû me sonder, il a fini comment l'écran arrière? Voilà comment il a fini l'écran. Attends, on va changer de scène. Tu le vois en haut à gauche? Il a fini comme ça. De toute façon, tu peux pas le garder, hein. Il se démonte pas. Ensuite, t'as ça. Ouais, bah, parce que Thomas, ça doit t'intéresser, toi. J'ai vu que t'as pas encore fait ce genre de truc. Mais n'hésite pas à me demander si t'as besoin de conseils. Ça, c'est le capteur plus le processeur.
Ça, c'est le bouton on-off. Et ça, c'est l'USB. Et après, il y a le magnésium à couper. Et je garde un morceau du magnésium pour remonter l'ensemble, qu'il soit solide et rigide. Voilà. Ah, on voit les gars qui sont là sur le live, qui suivent de près le projet X. Ah là là. J'ai démonté une set. Ah bah voilà, bah tu sais ce que c'est alors. Je sais pas, moi j'ai réussi à garder l'écran comme ça, mais bon, on peut pas le garder, hein. On peut juste le déclipser. Et t'as éclaté l'écran derrière. Bah moi je l'ai pas éclaté, je l'ai juste raboté comme ça. Le plastique sans vouloir l'extraire du plastique. Parce que je pense qu'en effet, si tu veux extraire le plastique, tu le pètes. D'ailleurs, en parlant d'écran, j'ai l'écran LCD qui est ici. Ah, il est où? Ah, il est là. Ça, je dois pas le garder. Ouais, on va passer vite fait sur la vue de face. 13,3 g pour la Caddx Turtle avec le port SD. On est plus lourd donc qu'une. De pas grand-chose, hein, de 7 grammes. Qu'une turtle. Donc là, ça c'est un truc à essayer d'enlever, c'est l'écran LCD. Je m'en fous qu'il fonctionne pas, mais on va essayer quand même de faire que ça soit pas complètement arraché. Parce que il est tellement bien collé que ça brise la vitre pour le virer. J'ai pas du tout réussi à pas le péter. Ah bah voilà, ça va le péter dès que je vais mettre de la pression. Après, bon, tant pis, hein, il n'y aura pas d'écran, il n'y aura pas d'écran. Hein. Voilà, ça y est, ça pète. Allez, ouais, c'est ultra, ultra fragile. Donc on va se débarrasser de ça, puisque le magnésium, je vais le récupérer. Ah, tiens, en le décollant de ce côté, ça a l'air de moins le péter. Ouais, mais c'est impossible de récupérer ça. Hop là. Voilà. Donc voilà, dans mes souvenirs, je coupe le magnésium de là. Attends, c'est ça? Ouais, de là, tout le bas, et je garde la petite vis ici. Bon, en fait, je me base sur ce côté-là. Je coupe de là. Alors, viens voir. Hop, le point, il est où? Il est là. Ouais. Je vais couper tout ça ici, une ligne ici, une ligne là, et tout le reste, je le jette, et je garde que cette partie autour de l'objectif. Voilà. Pour pouvoir mettre la vis qui est ici, celle-ci, la grande qui est là, la grande ici. Voilà. C'est là le collage après assemblage non démontable. C'est Johan. Bon, ben voilà. On va s'amuser à étaler les pièces de la GoPro. Allez, on y va. On va donc dézoomer. Non, l'autre sens. On y va. Allez, on va faire du rangement. Donc tout ce qui est outils, on peut les ranger. GoPro aussi. Et vous aurez été témoin de la première du Pablo, du live Pablo 2.0. Il y a personne qui a regardé en haut à droite qui a tiqué sur le truc. Ou alors vous êtes respectueux et vous me chambrez pas là-dessus. Mais il y a un truc qui passe de temps en temps, il y a marqué Pablo Text Tip. Ah mais je sais. Pour ça, il n'y a personne qui est activé parce que moi-même je ne l'ai pas activé. Start. Allez, petite surprise. Start. Voilà. Est-ce que ça tourne? Pendant que je range, vous allez checker. Ouais, c'est ça. Il va y avoir la petite surprise. Le running gag. Est-ce qu'il y en a qui vont comprendre la référence? Ouais. Bon, et eh ben voilà. On va étaler ce qu'on a démonté ce soir. Il y a Thomas qui a suivi. Non, mais en fait, maintenant j'en suis au stade où si je le fais pas, je sens que c'est plus je suis plus dans mon personnage, tu vois. OK. Ça, c'était les outils dans leur boîte. Ça, c'est les outils manuels qu'on peut étaler ici.
Hop, ne bougez pas, vous allez voir la suite des pièces. Donc on a le capteur qui est là. On va mettre ça sur un chiffon pour pas abîmer le capteur. Les vis aussi, faut pas les perdre. Voilà, donc hop là, donc ça c'est le capteur et le processeur, la partie la plus importante. Derrière, j'ai ça à monter. C'est la structure plastique qui tient le port USB. Ensuite, ouais, on va refaire le point. On va faire le point au milieu. Voilà, là. Ensuite, on se retrouve avec le bouton power on/off, le magnésium que je vais retailler. Attention, la pâte thermique, on va la mettre de ce côté. Ensuite, on a l'écran. J'en ai deux maintenant, puisque tiens, ce serait marrant. Je vais voir si l'écran du Hero 6 est compatible Hero 7. On a la puce GPS qui ne servira pas. On a, on avait le compartiment batterie. Alors j'ai essayé hein, de mettre du 5 volts comme la batterie d'origine. Ça marche pas. Il doit y avoir une puce dans la batterie ou j'ai pas compris en fait. Il y a du 5 volts d'un côté, enfin pas tout à fait, du 4 volts 3 et du 4 volts 5. Je comprends pas pourquoi il y a deux tensions différentes alors que c'est une seule batterie, un élément. Et puis il y a un câble, il n'y a rien. Donc probablement qu'il y a une puce dedans. Et après, on a l'écran LCD qui est mort. Voilà, l'écran LCD que j'ai jamais. Je vois pas comment tu le décolles sans le péter. C'est juste pas possible. Enfin voilà, vraiment celui qui fait ça, c'est Yann. Hein. Ce qui est pareil, c'est possible. Et ensuite, on a un tas de plastique complètement émietté. Voilà, qui va finir à la poubelle comme pour la GoPro 7. Donc le titre de mon live n'est pas trompeur, j'ai bien fait un massacre de GoPro 6. J'étais vraiment parti avec toutes les bonnes intentions du monde. Parce que quand même, d'afficher en direct que t'es pas capable de démonter une GoPro, il faut le faire quoi. Et ben en fait non, je vois vraiment pas comment faire. Hein. Yann, tu m'impressionnes. Et ensuite, là c'est le capot de la GoPro et le capot USB. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une GoPro démontée. Je disais que j'allais couper le magnésium, remonter ça, et à la fin, ça ressemble à ça. Alors, je vais vous exprès vous l'arracher pour pouvoir vous le montrer. Hop. Voilà, ça ressemble à ça à la fin. J'ai mis un petit dissipateur, une mousse à l'avant pour les chocs à l'avant, une grosse gaine thermo ici, une grosse de la mousse et mon le bouton on/off. Donc ça c'est le bouton rec et le bouton on/off ici. Un petit trou pour le port USB et tout est bien régi. Je me suis pris plusieurs gros crash. J'ai tapé frontalement un bout de bois, une table je crois. J'ai tapé plusieurs trucs assez fort. Je suis tombé d'un arbre. Ça tient. La GoPro, la carte SD s'éjecte par contre. Parfois on perd un morceau du fichier. Et sur le 85X, je suis en train de dessiner, puisque c'est la reprise, hein, j'ai un peu perdu la main. Donc le support pour tenir cette fameuse GoPro démontée. Il faut que je fasse plus épais pour la caméra FPV. Et ensuite il y a un bec. Pour l'instant j'utilise un Traco Power parce que c'est les meilleurs becs du monde. Vraiment, hein. Mais ils sont un peu gros. Donc je vais chercher une référence de bec 5 volts plus petit mais fiable. Il faut vraiment qu'il soit très fiable puisque sinon il me crame ma GoPro. Hein. Et là c'est un port USB, pour l'instant je l'ai récupéré d'un ancien câble USB type C, mais je vais tester la technique comme je vous ai montré plus tôt dans le live, la nappe USB que fait Team Black Sheep et que Drone FPV Racer vend. Voilà. Laurent Ferry, ah tu l'as suivi, t'as suivi la recommandation, ah ça fait plaisir. Laurent, qu'est-ce que tu me fais plaisir, tu mets l'ambiance sur Facebook à chaque fois. Voilà, bon ben, dernier moment pour répondre aux questions. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que je fais ça plus souvent? Bon, il y a des trucs à changer, notamment surtout les commentaires. Là, je réagis qu'aux commentaires Facebook. Normalement, dans la liste qui est ici, vous avez à la fois les commentaires YouTube et Facebook qui sont censés apparaître. Faudra voir pourquoi j'ai pas bien réglé mon logiciel. Parce que je vois que vous êtes 63 cumulés entre YouTube et Facebook. Et je comprends pas pourquoi vos commentaires n'apparaissent pas, surtout qu'apparemment vous pouvez échanger entre vous, c'est-à-dire que les gens qui parlent sur YouTube, quelqu'un répond sur Facebook, et en fait ça s'échange, les deux communautés peuvent se voir et interagir entre eux.
Donc voilà, on va passer à... Ah bah, quelle heure il est là, il est tard, il va falloir manger, il va falloir préparer le tournage de demain et voilà. Ça vous a plu ou pas? Ça ressemble un peu à la vie des streamers de jeux vidéo, sauf que là c'est autre chose quoi. Il a changé Linus. Ah. Alors Linus. Linux? Non. Ça c'est Tristan, je comprends pas ton message. Si, si, ça tourne, moi j'ai vu. Alors pourquoi se faire chier la qualité pro, Laurent Ferry? Ah oui, alors oui, pourquoi je m'embête avec une GoPro? Bah parce que je veux Real Steady qui fonctionne très bien avec le GoPro 6 et pas avec autre chose pour l'instant. C'est le collage, ça se fait... Hop, 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 hop. Voilà, on revient en question. C'était bon son. Voilà Stéphane, à la prochaine. Par rapport à Pablo Tech Tip. Ah d'accord. Je comprends mieux. Bon. Bah, ça fera des émissions régulièrement puisque maintenant je veux plus monter, j'ai plus le temps pour faire les montages. On pourra faire des trucs marrants. Là, par exemple, le prochain truc que je voudrais faire, c'est donner mon avis sur les orcas puisque j'étais en Croatie là-bas à les voir. On a été invité dans le lieu où il développe le matériel de la marque Orca, pas que les lunettes. Et donner mon avis, pourquoi je pense que je vais les acheter dès qu'elles seront sur Kickstarter. Et l'occasion aussi, ça sera de faire le point sur le choix des lunettes en 2019, pour parler des HDO, que maintenant j'ai un an d'expérience dessus, j'ai deux paires de HDO, pourquoi pour l'instant c'est mes préférés. Pour parler aussi des EV200 qui me semblent être la meilleure concurrence moins chère. Voilà, donc ça sera la prochaine émission. Entre-temps, il y aura sûrement le... Je sais pas ce que je fais, en fait peut-être que je vais remonter dans mon coin ce soir la GoPro 6 là. Et par contre, la prochaine session, c'est ou le truc sur les orcas, ou une session où je fais de la CAO sur SolidWorks, où je termine mon fichier sur le 85X pour pouvoir ensuite l'imprimer et le faire tenir sur le 85X. Donc ça sera intéressant peut-être de me voir faire la CAO. Je suis vraiment débutant en CAO, j'ai des restes de ce que je faisais quand j'étais au Fab Lab, mais il faut que ça remonte. Merci des conseils, c'est la même pour exploser. Une session, non, j'ai pas démonté une session, surtout qu'en plus j'en ai une là. Elle est morte. Enfin, elle est morte. Elle fonctionne quand elle veut. C'est la maladie quand elle a pris un choc trop fort. T'as tapé fort et puis elle marche par période. Et puis d'un coup, elle arrête de fonctionner et freeze. Donc, est-ce que je démonte la session pour voir comment c'est? Parce que moi, je vais pas utiliser la session 5. La Hero 7, elle est quand même beaucoup mieux. Non. Non, je pense pas que je vais perdre du temps à démonter pour m'amuser. Je pense que Yann l'a fait ou va le faire, je sais pas. Yann Kibungi, donc n'hésitez pas à chercher sur son YouTube. YKS, je crois. Ben, on va regarder, hein. On va voir. Alors, on va justement contrôler ça. Yann Kibungi. Donc, on va sortir YouTube. Yann Kibungi. Yann, non c'est YKS, YKS. Ça c'est son truc perso et sa chaîne YouTube elle s'appelle YKS, ouais, c'est ça. Donc ouais, il a fait cette dernière vidéo sur les orcas et on va regarder les vidéos qu'il a publiées sur le démontage de GoPro Session. Il est aussi sur son projet de Tarango. Musculation, assez ah, marrant, il a un YouTube qui lui ressemble comme moi. Tess Lyon, Lagrange, Cinéhoop, Microdrone. Je crois qu'il a juste fait une vidéo du rendu de ce que ça pouvait avoir, mais il n'a pas montré comment le faire. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Oh, le truc putaclic. Oh là là, le flag. Ok, bon, allez, c'est fini. Allez, on va rendre l'antenne. Quoi? Ben, je l'ai fait. Le 80. Ah! Voilà, je suis sur un projet. Attends, il faut changer de scène. Je suis sur un nouveau projet. Ça s'appelle le retour aux sources. Le retour aux sources. Alors, juste dans les commentaires, voilà, le plus rapide. Quel est le modèle de ce drone? Voilà, le premier à reconnaître le modèle exact. On va voir s'il y a des anciens parmi nous, des vrais. Ça a été. Est-ce que on a la réponse?
Enfin, les commentaires, en plus là je regarde le stream donc c'est pas avec le délai, je vais le voir direct. Ouais, alors on nous a offert ça et deux GoPro Session 4. Ouais, y a des jours où la chance nous sourit. Fantôme 1, raté. Ah, mais je suis mouche! Ah, il y a des détails qui trompent pas pourtant. Allez, vas-y, je vais vous aider. On va passer en vue macro parce que, attention, là y a trop de jeunes. Hein. Y a trop de jeunes dans ce live là. Ils sont trop jeunes, ils ont pas commencé en 2000, ça c'est 2014 ou 15, non, 13? Non, fin 2013. Il était sorti en même temps que l'autre? Ah oui, d'accord. Alors, hop, regardez. Fantôme 2, Fantôme 2, Fantôme 1, toujours personne à trouver, mais c'est pas possible. Mais alors, en plus Stéphane, tu me déçois, toi tu l'as connu. Hein. Non, c'est pas un Fantôme 2. Eh, franchement, comment ça se fait? Ça trouve l'écran là. Allez, est-ce que c'est marqué dessus ou pas? Non, c'est. Ah, attends. Oui, c'est marqué ici. Attends. On va faire le point. Attends. Fantôme 2, Fantôme 2. Non, personne. Hop. Ouais. Et où est-ce qu'il est l'indice? Ah, j'arriverai pas à vous le montrer. Il y a l'indice sur la lentille. Ah non, vous le verrez pas. Le fantôme de vision, monsieur Mouche. Voilà. Donc ouais, le projet c'est de trouver un moyen de court-circuiter la batterie d'origine pour pouvoir mettre une batterie 4S qu'on veut, un peu plus légère, comme ça serait un peu plus réactif, et mettre une caméra FPV classique avec un émetteur vidéo. Et comme ça, ça permettra à un débutant de s'éclater en mode FPV parce que de toute façon, il trouve plus de batterie de rechange. Ouais, batterie de Fantôme 2, elles sont toutes mortes. Déjà, elles mouraient du temps où il était en état de vie. Et maintenant, elles sont complètement mortes depuis le temps. Donc ça, c'est un autre délire. C'est avec ça que j'ai appris à voler. Enfin, le 1 exactement. Bon allez, c'est l'heure de l'apéro. Hein? Bon, je vous laisse, il y a l'apéro. Map en 2015. Oui, Stéphane, ouais, t'es un ancien. Bon, merci pour tout. À la prochaine. Ciao. Abonnez-vous, il faut le dire. Abonnez-vous sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Hop, on quitte ça.